qui à peine éclose, se fane et tombe en compote. Il n'en va pas de même pour les gens que j'aime, tous les gens de Mariana. La tige solide, plus ou moins rigide, selon les gens, les époques. Mais aucune épine ne vous turlupine du côté de Mariana. D'octobre à juin, du début à la fin, il y a eu quelques fausses notes. Et qu'est-ce qu'on était bien, tous assis, bons copains, à parler de Mariana. Il y a des roses qui, si on les arrose trop, se fanent aussitôt. Elles font leurs valises et la terre promise, elles se la mettent dans le dos. Mais c'est provisoire, tout ça, c'est des histoires. Nous qui sommes là aujourd'hui savons sans nul doute qu'elles reprendront la route un jour pour revenir ici. D'octobre à juin, du début à la fin, il y a eu quelques fausses notes. Mais qu'est-ce qu'on était bien, tous assis, bons copains, pour parler de Mariana. Les histoires de roses, ça rend un peu morose, surtout quand on est romantique. Mais celles dont on parle sont des roses qui parlent et qui connaissent la musique. Marise et Yael, Léa et Abigail, Marco, Rafi, Zagzag, Daniel, Joe, Emmanuel, Mado, Denis, Nicole, et que les autres me pardonnent. À présent la terre d'où on jaillit nos feuilles, Manitou avec ses clins d'œil, David, Benezra, monsieur et madame mère, Logros, Abraham, Golek. À tous ces gens-là, ainsi qu'à tous les autres qui dessinèrent le paysage, vous disons merci pour tous vos mots gentils, pour les sourires sur vos visages. D'octobre à juin, du début à la fin, il y a eu quelques fausses notes. Mais qu'est-ce qu'on était bien, tous assis, bons copains, à parler de Mariana. D'octobre à juin, du début à la fin,